Salut, j'espère que tu vas bien. Si tu ne me connais pas, je me présente. Je m'appelle Caroline et je te remercie d'avoir cliqué sur la vidéo. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire et te parler de la volonté de Dieu. Parce que je pense que c'est important. Comme tu sais, à chaque fois que je te raconte des histoires, ben, je modifie un peu parce que je veux pas que des gens se reconnaissent. Surtout que pour cette histoire, je suis pas le personnage principal. C'est pas mon histoire à proprement dite. Donc, je préfère modifier certaines choses. Je suis amie avec une fille pour travailler. En fait, elle avait besoin d'un titre de séjour qui soit valable. Et il s'avère que son titre à elle s'était expiré, mais elle avait fait déjà la demande pour être renouvelée. Sauf que dans son pays, ça prend du temps. Donc, voilà, c'était compliqué. Elle m'a demandé de prier avec elle. Elle a besoin de ce travail pour pouvoir bah, déjà payer son loyer, pour pouvoir subvenir à ses besoins. En plus, elle a une fille. On a passé beaucoup de temps en prière. On a intercédé même. On était vraiment là, quoi. On a prié, on a fait des impositions de main sur les papiers. Enfin, on a mis notre foi en action et on s'est dit, bah, Seigneur, c'est logique que tu aies d'accord pour qu'elle puisse garder cet emploi et pour qu'elle puisse... avoir son titre de séjour assez rapidement. Voilà, elle est convoquée chez son employeur, qui lui dit qu'ils ne peuvent pas continuer le contrat parce que c'est pas à jour. Ce qui fait que maintenant, elle vit chez sa mère avec sa fille. Comme elle dit si bien, ben, en fait, elle fait confiance à Dieu. Elle ne comprend pas pourquoi, elle ne comprend pas pourquoi il n'a pas fait dans l'autre sens, pourquoi il n'a pas... Enfin, pour nous, ça serait logique de, voilà, qu'elle puisse continuer à vivre ben, dans son indépendance avec sa fille et tout ça. Mais Dieu a voulu autrement. Et en fait, c'est ça que je veux vous dire, c'est que des fois, la volonté de Dieu est différente de la nôtre. On peut prier beaucoup pour quelque chose, mais que Dieu n'a pas prévu au final. J'avais des exemples dans la Bible. C'est Moïse. Je vois l'image comme la mer, c'est les problèmes. Tu vois, les difficultés, c'est les épreuves. Et là, pour pouvoir passer, Dieu va séparer les eaux. Donc, du coup, il va enlever les problèmes. Et là, ils vont pouvoir marcher et traverser. Et puis, il y a l'autre image. Ah, c'est des images que je mets ensemble, mais contextuellement, c'est pas ensemble, mais c'est pour imaginer la chose, tu vois. Jésus, il va marcher sous l'eau. Et on va dire que là aussi, l'eau, c'est les problèmes. Mais il va marcher sous l'eau. Et du coup, les problèmes ne sont pas, n'ont pas quitté. Et ça, c'est moi qui me fais cette réflexion, encore une fois, d'accord? Des fois, on peut prier pour que certaines circonstances, certains problèmes de la vie, certaines épreuves, Dieu les fasse disparaître. Sauf que la volonté de Dieu n'est pas forcément que ces épreuves ou que ces difficultés disparaissent, mais peut-être en sorte que toi, tu vas marcher sur les problèmes. Toi, tu vas marcher sur les circonstances difficiles. Tu marches sachant que ton Dieu est plus grand que tes problèmes. Mais aussi, parfois, bah, Dieu, sa volonté, bah, justement, c'est d'éjecter tout ça de ta vie. Donc, il n'y aura plus ces problèmes-là. Il n'y aura plus ces circonstances difficiles. La volonté de Dieu, c'est ce qui doit primer dans ta vie. Et que même si des fois tu ne comprends pas, c'est ok. Je te fais confiance parce que tu m'as dit que les projets que tu as pour moi sont des projets de paix et non de malheur. Alors je te fais confiance parce que toute chose concourt à mon bien. Lui, il voit au-delà de ce que nous, nous voyons. On s'arrête à aujourd'hui, à l'instant T. Lui, il voit demain. Il voit dans 1 heure, il voit dans 10 minutes. Quand tu donnes ta vie à Dieu, tu lui donnes le contrôle total de ta vie au final. Donc si tu lui donnes le contrôle total de ta vie, c'est Jésus, fais ce que tu veux, je te fais confiance. En tout cas, j'espère que tu auras compris cette vidéo. N'hésite pas à commenter, qu'on discute ensemble. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye, bye bye.